Congolais Panda. Oh, Congolais Panda. Congolais Panda. Azuli kanisi ya malamu pona kosepelisa bana mboka Congo. Congo Lipanda. Asalili bango Congo Lipanda. Kaninga pona kuyeba histoire ya Congo. Landa Congo Lipanda. Peuple congolais mbote mingi et pa yo bozwami lelo to na cadre ya émission le bela biso ko yamba mwana mboka Joseph Nkoyi a ko pesa biso makanisi na ye concernant évolution ya processus électoral et puis concernant ndenge opposition lelo ezo ki na mbilinga mbilinga et puis point de vue na ye concernant ba élection yo ko sala le 23 décembre mwana mboka Joseph Nkoyi mbote ndeko bili to sepeli mingi ko yamba yo na intervention na yo concernant magazine lelo le bela biso d'abord moto akutani na yo a retenir nini par rapport à la présentation. Merci Ming Ndeko Bili. Na benga na kombo ya Joseph Koyi comme moko so lobby. Nazali porteur ou coordonnateur ya Vision Nouvelle pour le changement du Congo OESA. Regroupement ba congolais nyonso moi si mobali elenge papa mwana place au toza ko réfléchir pour na kota le lenge ni to ki ko changer. Souffrance à peuple congolais pour que Bazala bien Bazala ndenge sengeli. Très bien. Na objectif nini vision pour le changement ya Congo et Botami. Ndeko Bili au Congo a été depuis 1960 ti lelo mboka na biso au lieu et mata ezako kita. Alors que tozana biloko nyonso o sengeli pour que peuple congolais ait vivre na ba conditions dignes de son nom. Voilà pourquoi Vision nouvelle pour le changement du Congo ayé pour na kola ki saba kozi ki et pour na que peuple congolais à vivre bien. Voilà le lengi tokoki ko gérer ba ressources na biso. Voilà le lengi tokoki ko coopérer dans les occidentaux. Voilà le lengi tokoki ko sala ko to longo la niveau 1 to comme un niveau 2 to longo niveau 2 to comme un niveau 0 et un niveau 3. Au côté la jeunesse ya Congo lelo mboka na biso Congo na ndenge évolution ya processus électoral o ezo tambola ma Joseph Nkoyi akoloba nini par rapport ya ndenge ba jeune ba ko landa lelo ba candidat député national et puis provincial na présidence ndeko bili depuis makamba ngwa popona mebandi ozali ko mona yiki keza ko côté belé za la niveau présidentiel la niveau national et tout ça. Na o Italie les élections présidentielles il y a deux camps on a koki koloba eza majorité na opposition majorité na regroupement na bango ya FCC ba bengi FCC bazana ndeko mutina bango baponi ndeko Emmanuel Chadar comme candidat na bango côté ya opposition on a benga ka côté ya peuple tozana monsieur Martin Fayulu na benga président. Et puis de l'autre côté, monsieur Tshisekedi avec son camarade Kamere. Il est vrai que pour le moment, le peuple congolais a zozé la kaka, changement, a zozé la kaka à alternance. Pour le mutu peuple congolais, alternance est à mutu à sika, à kota. Ce qui est l'autre, ton dimieto, monsieur Chadari, a gouverné, et ça, le col à toza kondimako, même régime est continué. Alors que sur les plans concrets, ce régime n'a porté que ce que vous-même vous pouvez connaître. Nous allons marquer une pause pour changer de cap parce que c'est une interview. Nous allons maintenant changer de direction. Et puis, Tolanda, après pause, Oyo. Bien, toi, tu marques qui pose par rapport à la question de Tunaki Mwanamboka Joseph Nkoyi. Mwanamboka Joseph Nkoyi, processus électoral Yango et Belémi. Est-ce que les lots division ou les alliés dans la opposition, ils ont profité d'un grand majorité présidentielle? Je peux dire oui. Pourquoi? Parce que lorsque le peuple congolais a signé qui n'a opposition candidat unique, la mutu na bango bakani saki que na ndege bazalaki bango nyonso na bango ki ba pona mutu moko et il constituerait un front puissant à l'endroit du front commun pour le Congo. Mais
ensemble avec toi, on peut le constater que bandeko oulieba kenego yokana bakabwani. Cela veut dire que ndambu oyo isenge ki fait il devait en fait être ensemble, ça pourrait faire mieux que être divisé, parce que il y a un passage de la Bible qui dit que pour en fait on ne peut pas avancer lorsqu'on est séparé. Pour le moment, le constat que je peux faire, la lecture que je peux faire sur cette séparation qui a eu d'un côté Félix Tshisekedi avec M. Kamere, de l'autre côté Moïse Katumbi avec tous ces gens, c'est que cette séparation peut d'une manière ou d'une autre profiter à la majorité présidentielle. Très bien. De l'Afrique du Sud, Genève, Nairobi. Hier, nous avons vu le retour de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Martin Fayulu et Félix Tshisekedi, ils sont aujourd'hui en train de brouiller le peuple congolais? C'est une évidence. Pourquoi? Parce que s'il faut faire les sondages, s'il faut faire les statistiques, on vous dira que Félix Tshisekedi avec M. Kamerhe sont en train de tromper le peuple congolais ou encore ont trahi le peuple congolais. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ensemble du peuple qui le dit. Et déjà de par cette façon-là de voir les choses, on peut dire que Tshisekedi, le fils bien sûr, Félix Tshisekedi et Kamerhe sont en train... Il est jugé aujourd'hui d'une maturité politique. C'est pas jugé, mais c'est ce qu'il est en réalité. Bien, Joseph Mukoyi, est-ce qu'aujourd'hui ce désordre qui règne au sein de l'opposition profite à la majorité présidentielle? Oui, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que si les deux cas de l'opposition pouvaient être réunis, ça constituerait une grande force que comment on a bango séparé le Lingwan. Donc quelque part, cela profite à la majorité présidentielle. Selon vous, qu'est-ce que l'IDPS et l'INC reprochent aujourd'hui à Martin Fayulu? Bon, c'est lorsque ce que nous avons entendu, c'est que c'est un leader qui n'a pas de base entre guillemets. Or, la base peut se créer en un seul jour. Vous avez vu le retour de président Fayulu. Autrefois, président Fayulu n'avait pas cette population-là derrière lui. Mais étant donné que c'est sous lui que le choix est porté, le peuple congolais tout entier est derrière lui. Merci. À quelques jours, c'est déjà les élections en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui à la jeunesse et quel est l'apport de votre ONG ou plateforme? Oui, qu'est-ce que nous pouvons dire de mieux à la jeunesse congolaise qui ne serait autre que de faire un choix utile? Lorsque je parle du choix utile, je vois ce que peut être l'avenir de la RDC demain. Pouvons-nous accepter de rester dans les mêmes conditions? Je dirais non. Et dans cette optique-là, je ne peux que demander à la jeunesse congolaise de voter utile. Le cardinal Monseigneur est parti en retraite. Il est remplacé par Monseigneur Fridolin Mbongo. Votre point de vue et puis votre analyse. Bon, ce n'est que normal. Le patriarche Monseigneur a durement travaillé et longtemps travaillé. Cela ne peut être que normal que Monseigneur Mbongo puisse prendre la relève. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, si Emmanuel Ramazani Shadary gagne l'opposition le 23 décembre, une surprise pour le peuple congolais? Bon, voilà pourquoi le peuple est en train de refuser ce que M. Nanga nous propose comme mode de vote, c'est-à-dire l'usage de la machine à voter, qui déjà prête image d'une certaine tricherie qui serait possible. Et le peuple congolais sait que si jamais nous pouvons utiliser cette machine à voter, il y a possibilité d'une tricherie et cette tricherie profiterait à la majorité présidentielle, c'est dit c'est M. Shader qui serait élu président. Mais ça sera en fait pour moi une nomination que M. Nanga fera au lieu que M. Shader soit élu. Très bien. Aujourd'hui, l'IDPS en perte de vitesse, nous avons aujourd'hui 4 IDPS, IDPS Mobaki, IDPS Tubala, IDPS Félix, Palou aujourd'hui aussi divisé. Donc, aux hommes, on a parti politique où il y a un peu de référence au Panzana Kokabwana. Il y a un peu de l'obanine et tant que jeune. Bon, nous avons dit que ce qui était, excusez-moi, le lingala est un peu difficile. Qu'est-ce que je peux dire encore de mieux?
si ce n'est que constater ce qui se passe. En fait, cette division ne résulte pas de nulle part ou du néant. C'est en fait les intérêts qui sont en train d'être protégés par les uns comme les autres. Et parce que, comme on peut tous le savoir, l'IDPS aujourd'hui constituait une grande puissance. Et de ce fait, il est normal que l'un comme l'autre se tape la poitrine pour dire que c'est moi qui suis membre de l'UDPS, c'est moi comme ça, pour avoir une certaine puissance ou un certain poids politique. Parce qu'on ne sait plus se mettre d'accord sur les intérêts de chacun. Voilà, c'est tout à fait logique que l'UDPS soit aujourd'hui partagé, comme on peut bien le voir. Très bien. Nous vous informons qu'Emmanuel Ramazan Echadari, fille un ancien de l'IDPES, et aujourd'hui il est au sein de la majorité présidentielle. Où est parti le vrai MLC de Jean-Pierre Bemba? Où est parti aujourd'hui le vrai l'IDPES du patriarche Étienne Tshisekedi à Mulumba? Où est parti aujourd'hui le vrai Palou d'Antoine Kizenga? Où est parti aujourd'hui le vrai parti du peuple que Moussa Laurent Désiré Kabila nous a légué dans ce beau pays, la République démocratique du Congo? Est-ce qu'aujourd'hui nos hommes politiques sont sérieux, Joseph Nkoy? Ndekobili, c'est une question qu'il faut analyser avec beaucoup d'aisance. Je dirais, si je dis qu'ils sont sérieux, c'est une façon de me tromper moi-même. Pourquoi? Parce que si tout dépendait que de la sériosité des choses, on n'aurait pas vu aujourd'hui ce qui se disait hier du MLC, qui sont devenus MLC libéral, ce qui se disait IDPS et Tshisekedi, qui deviennent aujourd'hui IDPS et Tshibala, tout ça. En fait, toutes ces histoires-là reposent sur l'égoïsme, aussi les intérêts subjectifs. Au lieu que l'on regarde ce qui est l'intérêt du peuple congolais, eh bien, l'action de l'homme politique congolais repose sur ses intérêts propres. Nous sommes arrivés à la fin. C'était un plaisir pour nous de vous présenter cette grande interview. Mais nous vous laissons avec ces deux questions. Qu'est-ce que l'INC et l'IDPS, qu'est-ce que l'INC et l'IDPS reprochent aujourd'hui à Martin Fayoulou? Entre Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi, qui, selon vous, peut céder à l'autre pour que le monopole de l'opposition aujourd'hui puisse être prôné par l'un des patriotes de notre pays? Est-ce que le 23 décembre, si Emmanuel Ramazan Echadari bat le candidat de l'opposition, ça sera une surprise pour le peuple congolais? Joseph Nkoy à répondre Bisso dans le Lengue Naye, vendredi Rosalani na Pato, mais plus 243 49 00 649, des numéros na Bisso à travers le monde, au Bengi Bisso à Paris, en Angleterre, en Italie, en Allemagne, en Hongrie, aux États-Unis, par rapport à question et autotuni. Qu'est-ce que l'IDPS et l'INT reprochent à Martin Fayoulou? Et entre Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi, nani a koki kotika la lelo moninga et bonga akumba ngwende ya opposition? Émission na biso lelo suki wana. Ciao. Congo li panda. Oh. Congo li panda. Congo li panda. C'est toi bana mbuka Congo. Chuki azili kanisi ya malamu pona kosepelisa bana mboka Congo. Congo li panda, asali li bango. Congo li panda, ningali pona kuyeba historia Congo, landa Congo li.